Je vous remercie en retour beaucoup, Sarah Vendy et l'IFJ, pour l'organisation. Donc bonsoir. Je remercie chaleureusement l'ensemble des personnes venues assister ce soir au débat intitulé « Quelle ville de demain pour les personnes âgées ?». Je suis honorée d'avoir été invitée à modérer un débat dont je vous présenter les motivations et le déroulement. Qu'elles soient petites ou grandes, les villes qui comptent un nombre croissant de résidents de plus de 65, 75, voire 85 ans, sont soumises à des problèmes d'adaptation de leurs infrastructures. Cela soulève des enjeux économiques, sociaux ou politiques locaux qui s'imbriquent à d'autres enjeux cruciaux pour l'avenir de nos sociétés. Pensons ici aux défis posés par la résistance des environnements urbains aux effets du réchauffement climatique ou aux conséquences des inégalités de répartition des richesses sur la stabilité des démocraties. En comparaison d'autres classes d'âge, les personnes âgées sont plus vulnérables à certains changements, mais elles ont aussi des forces liées à leur expérience. Elles forment par ailleurs une part croissante des opinions publiques. Il est pour ces raisons très difficile d'apporter un regard à la fois nuancé et complet sur le vieillissement en ville. Il faut tenir compte des acteurs impliqués, des institutions, des instruments d'action, des paysages modifiés par le vieillissement et des avis des habitants de tous âges, car le vieillissement est l'affaire de tous. À défaut de pouvoir faire le tour de la question, nous avons convenu qu'il serait plus percutant d'approcher ces problèmes complexes à partir du dernier lieu de résidence des personnes âgées en perte d'autonomie. En d'autres termes, où vaut-il mieux finir sa vie? Ce choix de sujet est parti du constat que le vieillissement en ville est caractérisé par son hétérogénéité. En premier lieu, on peut définir le vieillissement comme un phénomène et un processus hétérogène. On est conscient que l'on vieillit quand on ressent un déclin de nos capacités physiques et cognitives et qu'on a besoin de l'aide des autres pour effectuer des tâches qu'on faisait seul autrefois. Cependant, l'entrée dans la dépendance se produit rarement du jour au lendemain. De plus, dans les pays où la médecine moderne et les systèmes de couverture de santé se sont organisés au XXe siècle dans le cadre d'états forts, le seuil de la perte d'autonomie s'est amélioré, mais avec des écarts individuels de plus en plus vastes. Des gens de plus de 70 ans continuent à être très actifs sur le plan de la carrière ou des loisirs, tandis que d'autres connaissent précocement des soucis de santé. Or, depuis une trentaine d'années, ces écarts d'expérience individuelle du vieillissement se renforcent en raison d'un recul des états-providence. Pour simplifier, la réduction du remboursement des soins ou des médicaments par des systèmes d'assurance universelle impacte négativement l'état de santé des personnes précaires. A l'inverse, les individus aisés se soucient d'augmenter leurs dépenses de santé directes, sous forme d'opérations chirurgicales par exemple, ou leurs dépenses indirectes, sous forme d'alimentation biologique ou de tourisme médical. Or, ces disparités d'expérience du vieillissement s'articulent à un phénomène d'urbanisation planétaire, lui aussi très varié. Certes, la majorité de la population mondiale habite dans des milieux urbains, mais derrière cet adjectif se cachent des conditions très hétérogènes. Il y a des différences énormes de mode de vie entre, par exemple, les citadins des quartiers très denses de Paris ou de Tokyo, ou les ménages qui ont un pavillon dans une banlieue peu dense et qui utilisent leur voiture pour presque tout leur trajet. Mais au-delà de ces différences, un trait partagé de l'urbanisation du monde consiste dans le rôle joué par le déplacement à grande vitesse des hommes, de leurs objets et de leurs idées. Grâce au progrès des transports et des communications, la mobilité s'est affirmée comme une valeur centrale de nos sociétés marquée par l'internationalisation des échanges. La mobilité suppose de l'énergie et du dynamisme qu'on associe à la jeunesse plutôt qu'à la vieillesse. Dans le même temps, les progrès technologiques permettent aussi de compenser de faibles capacités physiques. Face à de telles évolutions, on peut donc se demander quel type d'espace urbain favorise une fin de vie digne, où l'on ne souffre pas
d'un environnement trop exigeant pour nos corps vieillissants. Une comparaison France-Japon se révèle ainsi pertinente pour explorer ces contradictions entre soucis de compétitivité internationale qui exige de la rapidité et le souhait d'un développement durable adapté aux personnes âgées qui nous exhorte à plus de lenteur. Le vieillissement en milieu urbain en France et au Japon, au-delà de ses singularités, présente des caractéristiques communes reconfigurées par trois moteurs de changement. D'abord, les personnes de plus de 65 ans représentent en 2018 plus de 19% de la population française et plus de 27% au Japon, parce que la génération nombreuse née entre 1940 et 1960 n'est pas suffisamment remplacée par des générations plus jeunes. Ces dernières ont en outre des taux de mariage et de natalité plus faibles, en lien avec des conditions de logement et d'emploi plus précaires. Toutefois, la France conserve un taux de 2,1 enfants par femme en 2015, contre 1,46 au Japon. Par ailleurs, si la France a l'image d'un pays plus ouvert à l'immigration, elle tend à limiter la délivrance de permis de résidence et selon certaines sources, comme ici, elle avait en 2012 un taux d'accueil de migrants par habitant plus proche de celui du Japon que de l'Allemagne. Ensuite, l'espérance de vie à la naissance est de 83 ans au Japon et de 82 ans en France. Cela est dû à la qualité de leur système de financement collectif des assurances maladie et des retraites, les soins étant dispensés dans des établissements performants. Mais le souci accordé à la prévention des maladies neurodégénératives, pour ne citer qu'elles, fait face à la mise en place de démarches de rationalisation des équipements à des fins de contrôle de la dette publique. Cela se traduit par la diffusion de la tarification de l'activité. En France, après la mise en place dès 1996 d'un objectif annuel de limitation des dépenses de santé, la loi Hôpital, Patient, Santé, Territoire a conduit à la création d'agences régionales de santé. Ces agences ont entre autres pour responsabilité de rechercher des synergies entre hôpitaux publics et cliniques privées. Ces objectifs de rationalisation de l'offre de soins sur les territoires se surimposent enfin à une géographie contrastée du vieillissement, à l'échelle régionale, à l'échelle des villes et à l'intérieur des villes, comme on le voit sur ces cartes. Donc là, âgés. Certains territoires voient la hausse du nombre de leurs seniors compensée par l'installation de ménages jeunes, alors que d'autres sont en train de disparaître parce qu'ils n'attirent presque pas de jeunes. En France comme au Japon, les centres des métropoles ont une proportion d'individus jeunes ou âgés et riches plus forte que les centres de villes moyennes situés dans des régions rurales ou ayant connu des crises industrielles, comme le nord de la France ou la région de Kitakyushu. Ces disparités se juxtaposent à des inégalités dans les temps d'accès aux équipements de santé. Plus c'est rouge, plus c'est noir. Pour mieux comprendre et comparer la manière dont les acteurs et les habitants des villes françaises et japonaises abordent ces changements, nous entendrons les interventions de deux spécialistes renommés de ces sujets dans leurs pays respectifs. Ces interventions seront suivies de questions aux intervenants et d'un temps d'échange avec le public. Sonoda Mariko, que je présente d'abord, nous montrera une étude des relations entre gouvernance urbaine et politique de bien-être dans les villes japonaises. Madame Sonoda, vous êtes professeure au département d'architecture de l'université Meiji. Vous avez été vice-directrice de la commission de la ville de Tokyo pour le bien-être et pour un système de soins inclusifs, ainsi que conseillère auprès du Japan Trans Housing Institute. Vous êtes enfin l'auteur d'ouvrages comparant l'habitat pour les personnes âgées au Japon, aux États-Unis et en Europe. Ensuite, Pierre-Marie Chapin.
vous allez nous expliquer la création d'habitats favorables au vieillissement en France. Pierre-Marie, vous êtes docteur en géographie, aménagement et sociologie, chercheur associé au laboratoire Environnement, Ville et Société de l'Université de Lyon-Jean Moulin. Vous êtes aussi président du Centre de recherche sur les territoires amis des aînés, le CRITADA. Vous avez été référent pour la France auprès de l'Organisation mondiale de la santé dans le cadre du programme Ville amis des aînés. Donc voilà, j'ai le plaisir de vous laisser la parole. Merci, merci beaucoup. Et, vous avez écrit ce livre aussi. On se trompe sur les deux. Merci beaucoup, Sophie. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Et comme vous l'avez indiqué, j'ai été le référent pendant plusieurs années sur le programme Ville amis des aînés en France. C'est un programme international qui est porté par l'Organisation mondiale de la santé depuis 2007. Et en France, on compte actuellement une centaine de villes qui sont engagées dans cette démarche. L'objectif, c'est de rendre les villes plus inclusives pour permettre un vieillissement actif et également favoriser la meilleure santé, donc un meilleur vieillissement. L'objectif est également de lutter contre les préjugés liés au vieillissement que l'on nomme l'âgisme. C'est un terme qui est important puisque c'est le troisième type de discrimination en France après le racisme et le sexisme. Et c'est quelque chose qui est sans doute lié en partie à notre culture. On est en France beaucoup plus individualiste, je pense, plus individualiste qu'au Japon. Et donc on est reconnu quand on a une utilité sociale. Et en fait, contrairement au Japon, on a une coupure très importante entre le moment où on est actif, on travaille, et le moment où on va être en retraite. Et ça crée aussi une forme de décalage entre plusieurs générations, les générations plus jeunes aujourd'hui, confrontées peut-être plus au chômage, à des difficultés, par rapport à des générations de leurs parents, qui eux ont connu la croissance économique forte, le plein emploi, et donc il y a un petit décalage par rapport à ça. Donc ce qui fait que l'image de la personne âgée est, alors, pas forcément mal vue, mais est assez caricaturale. C'est-à-dire qu'on va être dans une logique de se dire les personnes âgées, ce sont les personnes dépendantes. Et on ne va pas prendre forcément en compte l'ensemble du processus de vieillissement, qui est bien évidemment beaucoup plus complexe par rapport à ça. Contrairement aux sociétés traditionnelles, où on va plus avoir une image du sage, de la personne âgée, donc une forme de respect, qui va être plus forte. Et d'ailleurs, au Japon, peut-être une petite parenthèse, un petit exemple, vous avez une journée qui est consacrée au respect des personnes âgées. En France, on a ce qu'on appelle la semaine bleue, mais ça n'a rien à voir. La semaine bleue, ce sont des activités, des conférences qui vont être essentiellement pour les personnes âgées. Et le grand public ne connaît pas forcément toutes ces manifestations. Vous voyez déjà un premier décalage par rapport à ce sujet. Ce préambule est important car la manière dont nous percevons les personnes âgées impacte nécessairement notre manière de penser les villes et l'habitat. En ayant une image valorisante, en acceptant également nous-mêmes de vieillir aussi, notre regard peut être différent. Et on a pu échanger d'ailleurs quelques instants avec des personnes de la ville de Tokyo qui m'ont exprimé que finalement vous aviez déjà la manière d'appréhender le vieillissement était beaucoup plus transversale, alors que nous on reste encore en silo, ou en tout cas par rapport à ces sujets.
Donc peut-être quelques éléments pour vous situer un petit peu le contexte en France. Je dirais que comme on est un petit peu en retard par rapport au Japon, mais on vous rattrape. On vous rattrape, je pense que d'ici une dizaine d'années, on sera à peu près au même niveau que vous actuellement. On a, en 2040, on estime qu'on aura 22 millions de Français qui seront âgés de 60 ans, d'au moins 60 ans, contre 15 millions en 2007, soit une hausse de plus de 40% en un peu plus de 30 ans. Donc cet accroissement sera, selon les prévisions, particulièrement marqué, effectivement, par rapport à l'arrivée des générations du baby-boom. On a connu à l'après-guerre une très forte natalité. Et ensuite, avec les crises énergétiques, notamment en 1973 et 1979, on a connu ce qu'on appelle le baby-crash, qui est l'inverse du baby-boom, avec une très forte diminution des naissances, mais qui revient un petit peu depuis le début des années 2000, enfin même de manière assez importante, mais il va falloir qu'on gère l'entre-deux, justement, qui est lié à ce baby crash. Un autre élément qui est important, la majorité des Français, 90% des Français, désirent vivre à domicile, rester dans leur logement. Le rejet de la maison de retraite médicalisée est très forte. Et en particulier dans les nouvelles générations de seniors, les jeunes seniors, qui, quelque part, sont plus une génération plus revendicatrice, plus individualiste et qui consomment de manière différente par rapport à des générations précédentes. Donc, en maison de retraite médicalisée, on va y rentrer de plus en plus tard, à 86 ans en moyenne en 2017, pour une durée de séjour moyenne de 2 ans et demi, en sachant que dans la plupart des cas, comme c'est quelque chose qui n'est pas désiré, ça se fait dans l'urgence, typiquement après une chute à domicile, et on a une grande majorité qui vont décéder très rapidement, puisqu'elles vont être coupées de leur habitude de vie. Alors, un autre élément introductif qui est important, on a une très bonne espérance de vie actuellement en France par rapport aux autres pays européens. Mais quand on analyse un petit peu plus dans le détail, l'espérance sans incapacité est très moyenne. L'espérance de vie sans incapacité n'est que de 63 ans et demi pour les hommes et à peu près 63 ans et demi pour les femmes et 62 ans pour les hommes. Alors que quand vous voyez sur le chiffre, on est sur l'espérance de vie globale, un peu plus de 85 ans pour les femmes et 78 ans pour les hommes. Et donc on a un enjeu majeur par rapport entre l'espérance de vie sans incapacité et l'espérance de vie, et il va falloir qu'on agisse sur la prévention. On est dans une logique très orientée sur le curatif en France, sur le soin, mais on est quand même, alors même si on évolue un petit peu, on reste quand même assez mauvais sur des politiques de prévention, et évidemment, a fortiori, pour des politiques de prévention globales. Pour répondre justement à ces enjeux, un vieillissement réussi est lié à la fois à des éléments individuels, les facteurs génétiques, ça c'est à chaque individu qui a la chance d'avoir plus ou moins de bons gènes, les facteurs environnementaux auxquels est soumis l'organisme tout au long de sa vie, notamment la pollution, l'exposition à des substances toxiques comme l'alcool et le tabac, mais les pouvoirs publics, et je dirais même l'ensemble des acteurs, peuvent et doivent intervenir sur plusieurs facteurs qui ont été d'ailleurs identifiés par l'Organisation mondiale de la santé. Tout d'abord, en favorisant le vieillissement en bonne santé par des politiques de prévention à tous les âges, j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure, en créant un environnement favorable aux personnes âgées, d'où le programme Ville Amie des Aînés,
dont je vous ai parlé, et puis en adaptant, comme le disait Sophie, le système de santé aux besoins des populations les plus âgées. On a un enjeu en France aujourd'hui qui est le financement de la dépendance. Et en fait, on se questionne aujourd'hui, est-ce que ça doit être la sécurité sociale qui prenne en charge globalement la dépendance, ou est-ce qu'il doit y avoir derrière des assureurs qui vont compléter le dispositif. On sait que ça coûte très très cher, et c'est plusieurs milliards d'euros, et un élément, c'est pour ça que les politiques sont très très importantes. La démographie, c'est pas une science exacte, mais ça fait 40 ans qu'on le sait. Ça fait 40 ans qu'on sait qu'à un moment, il nous faut agir. Et pendant des années, on n'a rien fait. Peu. Et donc, finalement, si il y a 40 ans, on avait mis en place une assurance dépendance, ça n'aurait coûté pour chaque personne très peu. Alors qu'aujourd'hui, ça se chiffre en milliards et on ne sait pas comment financer. Donc, il est urgent d'agir, et par rapport, pour agir, en tout cas modestement par rapport à la question liée à nos sujets d'aujourd'hui, pouvoir progresser dans l'âge à son domicile suppose en effet que soit assurée une fluidité entre les trois espaces qui sont indiscutablement liés, qui sont l'espace public, dont l'aménagement appartient à la politique publique locale, donc je parle à la fois d'aménagement urbain, tout ce qui est lié au transport, tout ce qui est lié à l'habitat, l'espace collectif ou partagé, donc ça va être plus être les parties communes, dont l'aménagement appartient aux acteurs de l'habitat, par exemple si on réalise un petit quartier ou même un immeuble, plusieurs immeubles, et puis le dernier espace qui est le logement. Et par rapport à ce logement, on va estimer qu'un logement est adapté lorsqu'on va pouvoir limiter les risques de chute et les accidents des vies courantes. Et j'ai un chiffre important à vous donner. En France, on compte près de 9000 décès par an chez les plus de 65 ans et 100 000 hospitalisations qui sont liées, dans la majorité des cas, de chutes qui ont lieu à domicile. Et en fait, si on avait mieux anticipé et mieux adapté ces logements, on pourrait éviter à la fois tous ces décès et ces hospitalisations qui coûtent très cher. Et comme je vous le disais aussi, dans beaucoup de cas, les hospitalisations se traduisent par une entrée en maison de retraite médicalisée. Et donc c'est tout un processus négatif qui s'instaure. Pourtant, il n'y a que 6% des logements qui sont adaptés aux besoins des personnes fragiles. Donc on a un enjeu par rapport à ça. On avait une loi qui était assez ambitieuse par rapport à l'adaptation des logements. Aujourd'hui, pour des raisons économiques, on est en train de la simplifier. Et peut-être qu'on va moins réaliser le logement adapté. Donc vous voyez, on est encore dans cette logique où on ne voit pas les enjeux, en tout cas on ne les voit pas suffisamment, les enjeux liés au vieillissement. Et il est très très important que ce logement soit situé dans un environnement géographiquement favorable, j'y reviendrai par la suite. Et enfin, il est important que ces personnes âgées puissent entretenir des relations sociales avec l'extérieur. Dernier chiffre par rapport à ce sujet, l'isolement relationnel touche 1 million de personnes âgées en France. On a eu en 2003 une canicule qui a été très très forte et qui nous a fait prendre conscience de la grande vulnérabilité de ces personnes âgées, avec l'instauration d'une journée où on travaille pour financer les programmes pour des personnes âgées et des personnes handicapées.
Et en réalité, quand on regarde aujourd'hui le coût, les enjeux par rapport à ce qui nous attend demain, il faudrait qu'on fasse 24 journées de ce type pour pouvoir financer par rapport... Donc vous voyez que derrière, on n'a pas fini. Donc, on va s'intéresser plus spécifiquement à l'adaptation des territoires au vieillissement. Et comme je vous le disais, ça implique de réfléchir à la fois sur les transports, la voirie, la conception des quartiers, la localisation des activités, des services. La déprise liée au vieillissement entraîne en effet une baisse du niveau moyen des activités et une réorganisation des territoires de vie autour de polarités situées dans un rayon de 500 mètres maximum dès lors que l'usage de l'automobile est réduit. Différentes études ont été menées par des géographes en France, moi-même j'y avais contribué. On a utilisé en fait des traceurs GPS. On a équipé des personnes vieillissantes de ces différents traceurs pour mesurer en fait sur une durée d'une semaine l'ensemble des déplacements, ce qu'on appelle les territoires de vie, l'ensemble des déplacements qu'elles réalisent au quotidien. Et on a comparé aussi par rapport à leur état de santé, par rapport alors que ce soit à la fois physique, mais également par rapport à des problématiques cognitives. Et toutes ces études démontrent que la qualité de l'environnement géographique joue un rôle important en matière de prévention et facilite grandement le maintien à domicile. Donc on est bien sur une logique de prévention. Après, évidemment, c'est beaucoup plus, ce serait beaucoup plus compliqué. Donc ces travaux démontrent, donc je vous disais, un territoire de 500 mètres, un rayon de 500 mètres au maximum autour du domicile. Le rayon idéal est de 200 à 300 mètres. Dans ce territoire, dans l'idéal, c'est effectivement de retrouver des commerces de proximité, tout ce qui concerne boulangerie, supermarché, etc. Une pharmacie et des services de santé et des transports en commun accessibles à moins de 150 mètres. Je reviens sur la pharmacie, juste une petite parenthèse. Pour vous dire qu'en France, on a actuellement une pharmacie qui ferme tous les deux jours. C'était tous les trois jours et maintenant c'est une pharmacie tous les deux jours. Donc vous voyez, par rapport à ce que je vous dis, on a des contraintes fortes. Là aujourd'hui on parle plus de l'urbain, mais on a un enjeu majeur dans les lotissements, dans ce qu'on appelle le périurbain, toutes les banlieues autour des villes. Et bien évidemment, le rural qui est très impacté et on voit aujourd'hui des grandes difficultés par rapport à ça. Mais j'y reviendrai peut-être par rapport aux questions. Donc, par rapport à ces enjeux, certaines villes, comme la ville de Rennes, qui sont un petit peu en avance sur ces sujets, ont réalisé une cartographie des territoires favorables au vieillissement dans le but... à la fois de favoriser le maintien à domicile des personnes âgées vivant dans ces quartiers en adaptant leur logement ancien. L'objectif, c'est de les maintenir pour qu'elles puissent bien vieillir dans ces territoires. Et puis, inversement, d'inciter de jeunes seniors à venir habiter dans ces secteurs favorables en obligeant les promoteurs immobiliers à construire des logements adaptés et à penser également, on y reviendra tout à l'heure, l'aménagement, par exemple, de la voirie en termes de mobilier urbain, en termes d'intégration de différents services pour qu'il y ait une cohérence et qu'on puisse favoriser ce bien vieillir. Il s'agit pour les pouvoirs publics d'avoir une organisation plus efficiente pour l'offre de soins et les services pour personnes âgées, car la densité de population est beaucoup moins forte qu'au Japon. Si les personnes âgées vivent dans des secteurs peu denses, cela coûte très cher pour offrir un accompagnement adapté, et j'ajouterais que derrière, c'est aussi la question, est-ce qu'on a les capacités en termes de personnel, est-ce que, et d'offres, tout simplement, parce que comme je vous disais, si on n'a plus de pharmacie, si on n'a plus de médecin, derrière, la question du maintien, de vieillir dans certains territoires peut complètement se poser. Et donc, vous voyez sur cette image, l'ensemble des secteurs favorables a été cartographié.
et les documents d'urbanisme et de planification intègrent les éléments afin de donner des directives aux professionnels de l'immobilier. Au-delà, c'est toute l'organisation des offres de santé qui est impactée. Des projets pluridisciplinaires de santé sont mis en place avec les professionnels locaux pour adapter les offres aux besoins des populations. Et donc, ce regroupement des professionnels est extrêmement important. On y reviendra peut-être par rapport aux questions, puisque on a parfois des élus qui confondent le lieu où on va réaliser les soins avec l'organisation ou le projet de santé qui est lié directement au personnel. Il n'y a pas forcément besoin d'un bâtiment, c'est la manière dont les gens vont s'organiser qui est important. Et ce travail sur Rennes, cette expérimentation est aujourd'hui une réalité. Le prochain plan d'urbanisme intègre pour l'ensemble de la ville, mais c'est de même manière générale une métropole, intègre ces éléments avec un certain nombre de directives. Donc on est sur quelque chose qui, j'espère, va donner envie à d'autres villes de s'engager dans cette démarche. C'est encore long, c'est encore très récent en France d'avoir ce type d'approche. Autre élément qui est important pour favoriser justement le bien vieillir dans son quartier, notamment, c'est le choix du mobilier urbain. Et les politiques sont encore peu sensibilisées sur ce sujet, et il convient de réaliser des assises, des bancs, pas forcément des bancs, hein, ça peut être des sièges, dans les rues pour faciliter les sorties. Il y a des études qui démontrent que même si la personne n'en a pas directement besoin, le fait de savoir qu'elle a ces lieux, ces bancs à différents endroits sur son parcours va la rassurer et donc va faciliter sa sortie. Malheureusement, les pouvoirs publics ne sont pas suffisamment acculturés par rapport à ça et choisissent des bancs qui ne sont pas adaptés pour les personnes âgées. Et parce que les personnes ne peuvent pas se relever du banc, peut-être un problème de hauteur ou des problèmes pour se positionner. Donc il y a encore un travail important à faire en termes d'acculturation. Autre élément important, c'est la présence des toilettes publiques sur les différents lieux et la connaissance par les personnes, par les différentes personnes, des lieux d'implantation de ces toilettes publiques. Ce qui implique de bien penser la lisibilité de la signalétique, sans être stigmatisant. Si vous, quelque part, si vous avez une signalétique qui serait orientée pour les personnes âgées, il va y avoir un décalage et elles vont se sentir stigmatisées. Donc c'est tout un équilibre qui n'est pas forcément évident à trouver. Et puis on pourrait citer également la marchabilité des trottoirs. Donc toutes ces améliorations ont un impact important pour les personnes vieillissantes, mais l'impact est encore plus important pour l'ensemble des Français ayant une fragilité invisible. Par exemple, comme moi, il y a des problèmes de vision. Si j'enlève mes lunettes, je ne vois pas. C'est vrai, en plus. des problèmes d'audition, d'orientation dans l'espace, de compréhension de la langue française. Et ça, cela représente environ 30 millions de personnes. Si on soit près d'un Français sur deux, si on compte de cette manière. Et tout ça pour vous dire que penser la ville pour le bien-être des personnes vieillissantes a un impact positif pour tous. Juste une petite parenthèse, je ne parle pas du tout japonais. Par contre, aujourd'hui, j'ai pu prendre le métro très facilement. Parce que j'ai pu retrouver au niveau des chiffres et des différentes indications. Si vous venez en France, c'est beaucoup plus difficile parce que on n'a pas cette culture. Et donc c'est pour ça que c'est important, et justement aussi pour changer l'image, pour avoir cette société plus inclusive, c'est ne pas d'avoir une approche qui serait uniquement sur le vieillissement, parce que ce serait une erreur, mais de se dire que finalement, un Français sur deux est impacté par rapport à différents sujets. Et donc, ça, si on arrive à changer cette image, ce sera très positif pour tout le monde.
Pour les personnes vivant dans les territoires non favorables, dans un logement trop complexe à aménager, les caisses de retraite développent alors à la fois des aides pour aménager les logements et puis mettent en place, c'est ce que vous voyez ici, des conférences sur la question du déménagement. Le but est d'inciter les jeunes seniors à se poser de bonnes questions et fassent le choix par eux-mêmes de déménager. Mais il faut traiter ce sujet non pas à 70 ans, non pas à 80 ans, mais le plus tôt possible. Parce que quelque part, il faut que ce soit quelque chose, faut qu'il y ait une envie, et que ce soit quelque chose qui ne soit pas perçu comme négatif, mais perçu comme quelque chose de positif. Donc derrière, c'est aussi la notion du bien-être, de choisir un logement, parce qu'on va pouvoir plus sortir, parce que ça va être plus agréable de vivre dans ce quartier. Et ça, c'est un long travail qui n'est pas forcément évident. Donc, on commence sur ce sujet. Donc, on est bien sur une politique globale. Les pouvoirs publics restent très vigilants afin que ces différents aménagements restent mixtes d'un point de vue social, mais également mixtes d'un point de vue générationnel. Ce serait en effet une erreur de ne pas avoir de renouvellement naturel des générations sur un quartier. Et c'est tout le problème qu'on a dans les lotissements, ces grandes maisons individuelles qui sont construites dans les banlieues autour des grandes villes, parce qu'on a une population dans les années 60-70 qu'on fait construire leurs maisons. C'est un rêve des Français d'avoir une maison individuelle. Et ces personnes, dans la majorité des cas, sont restées dans cette maison. Et donc, on a des quartiers entiers qui sont vieillissants. Alors que si on avait mieux anticipé, on aurait eu une mixité entre les populations. Donc, quelque part, on aurait mieux géré ce vieillissement d'une partie de la population au lieu d'avoir l'ensemble de la population qui vieillit dans ces différents quartiers. Juste pour vous illustrer, vous savez, les géographes, on a toujours besoin de montrer des cartes. Pour vous montrer une comparaison entre une implantation idéale et l'implantation réelle d'un établissement qui est en construction. Donc vous voyez qu'on n'a pas anticipé, une fois de plus, suffisamment par rapport aux enjeux, parce que c'est un établissement qui est en construction. Et donc vous avez ce qui est en vert, la flèche verte, l'emplacement qui aurait été idéal, et puis en orange, l'implantation réelle de cette résidence. Et donc à travers cet exemple, on constate que l'établissement pour personnes âgées, pourtant en construction, n'est pas situé dans un environnement favorable, et donc il nous faut réellement changer de paradigme, car ces différents investissements, ces constructions immobilières, sont souvent construites pour 40, 30, 40, 50 ans, voire plus. Si nous ne prenons pas en compte les évolutions démographiques, les modes de vie des différentes générations qui se succèdent et l'écosystème autour du projet, il y a un risque de non-usage, de mauvais usage ou de non-remplissage et de nécessité de changer de destination au niveau du bâtiment. Donc finalement, c'est un coût au final, mais qu'on n'a pas intégré dès le départ. Donc il nous faut réellement passer d'une logique opportuniste à une logique de vision sur le long terme par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, pour terminer cette présentation, quelques réflexions sur l'habitat de demain. Les deux premières images illustrent le souhait de jeunes seniors issus de focus group qui ont été réalisés en Normandie avec une caisse de retraite. Donc il y a eu près de 200 personnes dans différents groupes, dans différents lieux, qu'on a questionné sur comment est-ce qu'ils voyaient eux-mêmes leur avenir. Donc ces jeunes générations désirent vivre dans des logements rappelant un petit peu l'esprit du village vacances. Comme nous en avons en France, on a par exemple ce qu'on appelle les center parks, dont sont issues les premières images. Ce que vous voyez là, ce sont des centres de vacances, mais ça illustre un petit peu cet esprit. On garde un petit peu la maison individuelle, mais par contre on a un vrai centre de quartier, et ce centre de quartier est accessible directement à pied et facilement à pied. Alors on n'est pas sur un village
qui serait uniquement pour des personnes vieillissantes. Hein. L'objectif, c'est d'être dans une logique intergénérationnelle, comme on l'a évoqué tout à l'heure. On voit également des personnes qui souhaitent des services à la carte, et on assiste de plus en plus à une volonté de co-construire des projets, ce qu'on appelle l'habitat coopératif. Et c'est lié un petit peu à cette génération qui, en France, on a eu mai 68, qui a été une révolution culturelle. Et quelque part, c'est une génération qui est à la fois plus individualiste, mais en même temps qui a envie d'être maître de son destin et qui n'a pas envie de reproduire les erreurs qu'ont pu faire leurs propres parents. Donc ils peuvent se retrouver sur des communautés d'intérêt pour se dire on va réaliser par nous-mêmes et on va se rassembler autour d'un projet collectif par rapport à ce sujet. Pour les personnes qui sont en forte perte d'autonomie, et ce sont les deux images du dessous, je vous présente ce qu'on appelle un village Alzheimer, qui est inspiré, donc c'est un exemple unique en France, et qui est inspiré d'un modèle des Pays-Bas, dans lequel les personnes Alzheimer vivent dans un véritable village, qui est fermé et sécurisé. Mais comme dans tous les villages, on va retrouver une place avec des commerces qui sont en réalité tenus par le personnel de l'établissement. Donc si par exemple une personne Alzheimer vient plusieurs fois faire ses courses, elle ne va pas payer, enfin elle paye, mais ce n'est pas de la vraie monnaie en fait. Mais c'est important pour elle de continuer de vivre et d'avoir cette liberté d'aller dans un commerce, d'aller dans un restaurant. Il y a des espaces culturels et sportifs. Et tout a été pensé d'un point de vue paysage, équipement et architecture pour rassurer la personne et qu'elle se retrouve dans un environnement familier. Et l'objectif, c'est aussi que la population qui habite autour vienne aussi dans ce village, pourquoi pas au restaurant ou pour certaines activités culturelles. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment unique, qui a coûté très cher. Donc je ne sais pas si le modèle va pouvoir se reproduire ailleurs en France, mais qui est complètement nouveau et qui est très intéressant. Donc ça devrait être inauguré dans moins de 2 ans. Enfin, en conclusion, un petit clin d'œil à Tokyo, avec les... alors je vous le dis en anglais, mais vous allez avoir la traduction en japonais, les réversibles Destiny Loft. C'est très intéressant, puisque c'est quelque part un anti-modèle de l'adaptation au grand âge. Le principe, c'est d'être dans une logique qu'il faut toujours être stimulé pour se maintenir en alerte et prévenir le vieillissement. C'est-à-dire que si on adapte trop, si on pense au moindre détail, si à un moment où, quelque part, je ne sais pas comment vous... on reste dans un cocon, on surprotège dans un cocon, et bien finalement, d'une certaine manière, on met presque en danger la personne parce que il faut continuer à la stimuler, à l'intégrer, justement pour son bien et dans cette logique de prévention de la perte d'autonomie. Donc c'est important qu'elle continue de marcher, c'est important qu'il puisse y avoir quelques petits obstacles aussi au quotidien pour les stimuler également. Donc l'enjeu pour nos villes est l'adaptation du bâti dont l'usage évoluera en fonction des générations, du renouvellement des générations et de l'évolution des modes de vie. Je ne pense qu'il ne faut pas se focaliser sur le vieillissement, je préfère parler de fragilité invisible comme je vous le disais tout à l'heure, car l'impact est beaucoup plus important. Et en agissant ainsi, on crée des villes plus inclusives pour l'ensemble des individus et en premier lieu pour les personnes âgées. Voilà, j'ai terminé ma présentation. Merci beaucoup, Monsieur Chapon. Nous allons passer la parole à Madame Sonoda.皆さんこんばんは。私は園田真紀子と申します。明治大学で建築を教えていますけれども、特に私はこの30年来、住宅と住環境の中で高齢化という問題を考えてきました。
ました。今日は、サッカーのワールドカップでフランスが決勝進出を決めた日に日仏討論会に参加できてとても嬉しく思っています。で私は、ごめんなさい、直接じゃなくて同日やったんですね。で私の、少し経験をお話ししますと、この30年間、私は、社会の高齢化に対して、町や建築、住宅がどうあるべきかということをいくつかの自治体や、クライアントと一緒にさまざまな計画を立案したり、プロジェクトを実行してきました。今日はそうした経験を踏まえて、今激しく高齢化が進みつつある日本の状況とフランスでの、今日の、シャポさんのお話に同じ点があるのか、あるいは、違うのか、その点についてお話ししてみたいと思います。今から30年前の日本は、実は OECD の諸国の中で最も若い国でした。当時の高齢化率、総人口に対する65歳以上人口というのはわずか 12% でした。当時の日本は大変経済的にも活発で、アメリカ人のエズラ・ボーゲルという学者は「ジャパン・アズ・ナンバー・ワン」という本を出版されて日本でも大変有名になりました。しかし現在の日本はすでに人口が減り始め、GDP も隣の中国に抜かれてしまいました。ですけれども、今の日本が今なお世界で一番のことがあります。それは人口の高齢化率です。2015年現在の高齢化率は 26.7%、現在2018年は 27.9% です。2025年には 30% を超えると言われています。今世紀の半ばまで日本の高齢化率は世界一です。で日本に追いついてくるのは今見ていただいているように実はアジアで急激な高齢化が起きていて、シンガポールですとかお隣の韓国の国々が日本を追いかけるように高齢化が進んでいます。ここから3枚のスライドで現在の日本が直面している3つの真実、3つのファクトについてお話ししたいと思います。1つ目の真実は今もすでに申し上げましたけれども、今現在日本社会が激しい高齢化のプロセスにあることです。しかも日本の高齢化の特徴はとてもスピードが速いことです。日本でいつこの高齢化が始まったのかということですけれども、多分1990年代になってから本格的な高齢化が始まったと言っていいでしょう。特に今ご覧いただいているグラフの赤い部分ですね。赤い部分は75歳以上の人口を示していますけれども、1990年頃から急激に増え始めています。その後期高齢者人口と日本では言いますけれども、2030年代には数の上では、安定的な状態になります。ですので、若い国から年老いた国に変化するのに要する時間は、わずか40年間だというふうに言えると思います。しかもその前半戦はすでに終わってしまって、超高齢化の状態に達するまで日本に残された時間はあと10年ちょっとしかありません。私たちはそれまでにこの激しい高齢化に対してどう対処するのかの答えを出さなければならないのです。2つ目の真実は人口が急激に減少し始めていることです。今年2018年とは日本が近代化のスタートを切った明治元年1868年からちょうど150年目の年です。1868年時点の人口は3300万人でした。その人口は第二次世界大戦後に7200万人になり、2008年ぐらいの時に
従来ですと業務用途とか商業用途だったのですが、現在はそれだけではなくて医療福祉の拠点を中心に置いて再編しようというふうにしています。でその周りに水色の部分が広がっていますけれども、この部分を居住誘導区域という名前で呼んでいます。つまり広がりきった都市域の中から、水色の部分ですね、居住誘導区域の中に少しずつ人がコンパクトに集まってくるように、そういう政策を取ろうとしています。それと同時に当然公共交通バスですとかデマンドタクシーなどについても再編をしていこうというのが新しい戦略です。そのことをもう少し分かりやすい図で見ていただこうと思います。みんな今見ていただいているところの赤い部分が先ほど申し上げた都市機能誘導区域です。で青い部分がコンパクトにしていく居住誘導区域です。なぜこういう戦略に転換したのかというと、人口減少と公共施設や都市インフラの老朽化が今後の大きな懸念材料になっているからです。都市域をコンパクトにしてそれぞれの拠点を効率的にネットワークすることによって、超高齢化と人口減少に対応した町に作り変えようとしているんです。2018年現在、日本全国で407の都市がこの立地適正化計画に関する具体的な取り組みを始めています。それから161の都市がすでにこの計画の策定を終えています。次にご紹介するのは高齢者を取り巻く福祉介護医療の分野での大改革です。2014年に革新的な福祉戦略が日本では明確になりました。地域包括ケアシステム、コミュニティベースインテグレイティッドケアシステムと呼ばれる新しいシステムが本格的に始まりました。地域包括ケアシステムとは、高齢者はできる限り自分の住まい、あるいは元の家の近くのサービス付きの高齢者住宅に住み続けて、地域のボランティアや非営利的な活動を行う地域組織の支援を受けて安心して生活することを実現しようとするものです。医療は治療の必要な入院は極めて短期間とし、自宅にいる高齢者に対して訪問医療や訪問介護に重点を移すことによって高齢者の在宅生活を支援しようとしています。特別養護老人ホームと呼ばれる24時間ケアがついた介護施設に入所できるのは要介護度の極めて重い人だけに限定されるようになりました。こうして地域のさまざまな有形無形の資源やサービス、人材などを駆使して住み慣れた地域で安心しておいることのできる環境を整えようとしています。最近ではこうした考え方を高齢者だけではなくて障害者や低所得の生活困窮者、シングルマザーの家庭などにも応用して誰もが安心して地域で暮らせる福祉的な環境を整える動きが本格化しています。今申し上げた地域包括ケアシステムとは一体何であるかを都市的に説明しますと、半径3キロから5キロメートル程度の日常生活圏域で0歳から100歳以上の人が安心して生活できるよう各地域でリスクマネジメントしようということです。日本の厚生労働省はおおむね30分以内で必要なサービスが利用できる範囲を日常生活圏域というふうに呼ぼうとアナウンスしています。その中心には地域包括支援センターという地域福祉のマネジメントの役割を担う拠点施設があります。日本に子どもたちがたくさんいた時代の時には地域施設の核は小学校でした。しかし今や超高齢化が進み、
その中心になる核はこの地域包括ケアセンターに交代しようとしているのです。ではここからさらに具体的に今まで述べてきた新しい都市戦略とそれから福祉戦略が具体的にどういうふうに展開されているのか4つの事例を通じてご紹介したいと思います。1つ目はどこにでもあるような中心市街地の例です。地域にある資源を活用しそれをネットワークすることによって地域をあたかも施設のように変えてしまおうとする取り組みです。どこにでもあるような小規模なアパートを改修し高齢者の住まいを確保しようとしています。実は今日本にはたくさんの空き家空き建物があふれかえっています。第二次世界大戦後1973年までの25年間は日本では圧倒的に住宅が不足していました。しかしその後、数が足りた後もずっと家を建て続けてきたので現在日本には約6000万戸の住宅がありますがその 13.5%、 820万戸が空き家空き室だと言われています。今見ていただいている地図は東京のど真ん中の新宿大久保です。赤い色は空き室のあるアパートです。青い色は一戸建ての空き家です。緑色は空きオフィスや空き店舗です。東京の中心部でもこのように多くの有給化した空き室や空き建物が存在しています。それらを活用すれば住まいの確保に困る低所得の人や一人暮らしの高齢者の居住の場を確保できるのではないでしょうか。またこうした場所は意外なほど利便性に恵まれています。日本の都市には狭い範囲に極めて便利な要素がたくさん詰め込まれています。先ほどの空き家空き室マップにこれは商店や医療介護施設の資源を付け加えたものです。そうすると徒歩で行き来できる範囲に施設に入居しているのとほぼ等しいあらゆる支援が揃っていることが分かります。だから新しい施設を建ててそこに高齢者を押し込めるよりも地域そのものを施設に変えてしまえばよいのです。使われてない古いアパートがあります。そのアパートをあまりお金をかけないでリノベーションして居心地の良い空間に変えます。地域には未発掘の建物資源や人材がたくさん眠っている可能性があるのです。これは2つ目の事例です。集合住宅の団地において地域の福祉拠点を整備していこうという取り組みが始まっています。住宅の数が不足していた時代都市の近郊や郊外には2寝室、3寝室程度の確率的な核家族向けの集合住宅がたくさん建設されました。そうした建物は老朽化が進んで何よりも最新の耐震基準を満たさない、そういう場合も多くあります。そこを大規模な改修をしたり建て替えたりするということは老朽化と耐震性の点からやらざるを得ないのです。でそのための資金は現在全く潤沢だとは言えません。しかしながら建て替える際には高齢者向けの住宅や介護施設と地域の交流拠点を団地の中心部に設けます。またこうした住宅や施設はこの団地の中に住む人だけではなくて周辺の地域に住む人にも利用できるようにしようとしています。これはそれの具体的な一つの例です。東京都西部の世田谷区で、東京都住宅供給公社が団地を建て替えて整備したものです。見ていただいているオレンジ色の、文字の部分が高齢者向けのエリアです。その他の部分は一般の世帯向けの賃貸住宅。ナンバー9から10の建物はサービス付き高齢者向け住宅で民間企業が開設して運営しています。
ナンバー12は地域の中心となるコミュニティセンターです。この写真はそのコミュニティセンターを写したものです。2階には病児保育のクリニックや保育園、1階には地域の誰もが自由に利用できるコミュニティカフェや集会室などが設けられています。次に3つ目の事例です。この事例は郊外にスクロール状に広がる戸建て住宅地の例です。日本の大都市郊外には今見ていただいているような図の、まるで囲んだ部分なんですけれども、そのまるで囲んだ部分ごとに虫食い状に開発が行われて、そこに戸建て住宅ばっかりが建てられる開発が1970年代以降極めて活発に行われてきました。一時期に開発して、短期間に同じ年齢同じライフスタイルの人が退去して入居したのです。しかし今やそうした住宅地は、経年数が多い順番通りに高齢化が進んでいっています。縦長の楕円のところは、1平方キロメートルに満たない狭い範囲なのですが、そこに850世帯2500人の人が住んでいますけれども、すでに65歳以上の割合は 40% を超えています。この住宅が約50年前に開発された時のパンフレットです。それまで誰も人が住んでいなかったところが開拓され造成されて新しい町が誕生したのです。最初はこんな風景でした。宅地を区分するために道路が最初に作られました。それから公園も作られました。以来50年近くの時が経って、現在では家々の庭の木々も大きくなり緑豊かな自然環境です。ただ居住者の多くを高齢者が占めるのでやや活気がない町になっています。それから、真ん中にあった小学校は児童数が減少したので廃校になってしまいました。今現在相続や贈与などによる居住者の世代交代が進行中です。この町は駅までやや遠く買い物などが不便です。地域の人が気軽に集まれるような施設もありません。そこでバスの発着所の近くにコンビニエンスストアとコミュニティカフェを併設した地域交流の拠点を今住民とこの町を最初に開発した民間企業が力を合わせて、もう新しく作ろうとしています。最後4つ目の事例です。最後に日本の地方の過疎地の例。日本では限界集落というような悲劇的な表現を用いたりしますが、その事例をご紹介したいと思います。人々にはすでに自分の家があるのですが、その大きな家に一人で暮らしている、あるいは老夫婦だけで暮らしている、あるいは90歳の母親と70歳の娘が二人だけで住んでいるというような例がたくさんあります。日本は現在も極めて大きな自然災害に見舞われていて、7年前にはマグニチュード 9.0 の大地震が東北地方を襲って大変大きな災害が頻発しています。そこで高齢者だけで生活するには不安になった人たちが移り住み、子育てをする世帯も含めて安心して生活できる村の安心拠点を作ろうという取り組みが始まっています。山間の家と安心拠点の住まいを行ったり来たりするそういう住み方でもいいでしょう。これはその一つの事例で、奈良県十津川村という今日本で一番面積の広い大きな村で極めて辺境にあるところです。台風による洪水の大災害からの復興の一環として村の安心拠点づくりが行われました。名前は高森の家というプロジェクトです。これがその拠点の全体像です。
右側に少しだけ見えるピラミッドの建物は村唯一の特別養護老人ホームです。その近くに高森の家は高齢者向けの小住宅と子育て世帯向けの住宅とそれから地域交流センターという3つの要素で構成されています。中庭に面して縁側があり外の環境と住宅内の環境が穏やかにつながっています。高齢者が生きがいにしている畑もこの中にあります。広場を取り巻く雁木の下で村の人たちが憩っています。時々はみんなで一緒にお昼ご飯を食べたりします。私の結論です。高齢者や小さな子どもにあった日常的な生活圏の中に地域の人々が集まり交流しお互いにいたわり合える拠点とそして安心して生活できる住まいがあること人々にとってお話や食事が何よりの楽しみです。それを実現するための有形無形のリソース資源は実は地域のあちこちに埋もれている可能性が高いのです。それらを一つずつ丁寧に掘り起こして探し出してつなぎ合わせていくこと、そのことによって超高齢化が進み人口が減少し加えて財源にも余裕がない中で従来の町、都市空間を生活しやすい町に作り変えていくそういう人類にとっての新しい未来を想像しようとしているのではないでしょうか。私の発表は以上です。Madame Sonoda, cher Monsieur Chapon, je vous remercie, nous, toute la salle vous remercie pour ces interventions extrêmement enrichissantes et éclairantes sur la situation respective de nos pays. Avant d'engager, justement, de vous poser trois questions qui vous permettront d'échanger des réflexions et ensuite d'échanger avec la salle, je voulais vous demander, avez-vous des questions à poser l'un à l'autre à partir de vos présentations ? Respective. Quelle serait votre principale réaction ? Vous voulez commencer ? Je suis la cinquième. Alors, Chapon-san, Chapon-san, vous rappelez de deux questions.させていただこうと思います。高齢者の方に、GPS 行動記録を立てて半径500メートル以内ぐらいに、いろいろな自分の生活にとって必要なものが、揃っていると、とても住みやすいというふうに、おっしゃったんですけれども実際、そういうところに高齢者が住もうと思った場合すぐにそういう場所に住み替えることが、フランスではできるんでしょうかというのが一つ目の質問です。二つ目の質問は特に若いシニアの人たちが、先ほど休暇村のようなところで、のんびりとこう、バカンスを楽しむような生活を、したいというふうに考えているというお話があったんですが彼らは本当にそういうところに移り住んで毎日が日曜日のような生活を楽しむことで本当に幸せになれるというふうに思っているのでしょうかというのが2つ目の質問です。ピアマリエスクの方です。
c'est tant que ça arrive. Est-ce que vous voulez poser vos propres questions? Non, je vais répondre sur ces différents sujets. Effectivement, l'étude sur les 500 mètres, enfin, les différentes études qui ont été menées. Alors, nous, on avait mené ces études à Lyon, à Nice. On a d'autres chercheurs qui avaient mené avec d'autres types de techniques, notamment ce qu'on appelle le carte mentale, sur Paris, etc. Tout arrive sur les 500 mètres de rayon et idéalement 200-300 mètres. Encore une fois, on est sur un élément de prévention et on a comparé effectivement par rapport à des personnes qui pouvaient avoir des problèmes cognitifs ou des problèmes à se déplacer. Je ne suis pas rentré dans le détail, mais on a aussi intégré la question des transports en commun où l'arrêt, par exemple, de bus doit être à 150 mètres avec une fréquence de bus inférieure à 10 minutes en heure de pointe. C'est aussi un élément, on a un certain nombre d'éléments qui ont été pris en compte par rapport à ça. Donc pour répondre à votre question concrètement, ces études ont été reprises au niveau national dans le cadre de la loi d'adaptation de la société au vieillissement, qui est une loi qui date de 2015, qui aurait dû être une loi importante, puisqu'elle nous concerne tous, mais en réalité, personne, si vous demandez à n'importe quel Français, personne ne connaît cette loi. C'est intégré, mais de manière très légère, puisqu'on ne veut plus aujourd'hui être dans une logique de planification forte. On est plutôt dans une logique de libéralisation, en disant on va laisser les gens, les promoteurs, les acteurs, plus de liberté. Donc c'est un paradoxe, et c'est pour ça que votre exposé passionné, parce que concrètement, vous mettez en œuvre au Japon le bon sens et des actions qui sont très importantes en termes de planification. Et donc, on est dans une logique actuellement en France de politique, à courte vue, et au lieu d'être dans une logique prospective, et d'être dans une logique de se situer dans 10, 15, 20, 30 ou 40 ans. Donc certaines villes ont eu la volonté d'aller plus loin, donc c'est pour ça que je vous ai cité Rennes, puisque Rennes l'intègre aujourd'hui dans ses documents d'urbanisme. Donc concrètement, ça veut dire plus de logements adaptés dans certains secteurs, ça veut dire une réflexion plus poussée sur l'aménagement et sur les politiques globales qui vont être menées. Ça reste un exemple qui n'est pas aujourd'hui la logique en France. Donc concrètement, la culture n'est pas encore là, et chez les promoteurs immobiliers, c'est quelque chose qui est malheureusement pas du tout intégré, ou très peu intégré aujourd'hui. Et pour revenir sur votre deuxième question, le village vacances, c'est plus dans l'esprit plus architectural, dans l'esprit bien-être, dans l'esprit d'être bien dans son logement, plutôt que le village vacances en tant que village vacances. Quelque part, dans votre présentation, les dernières images que vous nous avez présentées reflètent plus l'esprit tel que je voulais le présenter. Ça peut être quelque chose, et ça doit être quelque chose d'assez intergénérationnel, d'ouvert, justement, sur lequel on crée de nouvelles manières d'échanger ensemble. Donc, je pense que si on réalise d'un point de vue architectural, d'un point de vue conception au niveau du quartier, sur ces nouveaux ensembles, on va donner envie à des jeunes seniors de déménager. Ce qui serait positif, alors que si on leur dit on vous construit du logement adapté, ils n'ont pas envie d'y aller. Vous pouvez poser vos questions à Madame Sonoda, vous pouvez réagir.
Donc, alors moi, par rapport à votre présentation, donc, comme je vous le disais, c'est intéressant d'ailleurs de voir à la fois l'avance démographique que vous avez et l'avance finalement en termes de réponse sur des, finalement des constats qui sont assez proches. Si on regarde nos différents constats, on arrive sur des éléments qui sont communs, mais par contre dans la mise en œuvre, on n'est pas sur la même échelle et sur le même niveau. Moi, j'ai été frappé par rapport à la décroissance démographique, et ma question, je vois le premier plan tel que vous nous l'avez présenté, mais est-ce que le second plan, ça ne va pas être finalement la destruction même de quartiers entiers, de ce qui a été réalisé, voire même l'abandon de certains secteurs pour se focaliser sur justement ces secteurs, puisque votre population va diminuer de manière très forte dans les prochaines années. Donc, quelle est finalement l'étape numéro 2 par rapport à ces aménagements ? すいません、第2のフェーズっていう意味が分からなかったんですが、第2のフェーズっていうのはどういう意味かちょっと確認していただけますか。Oui, en fait, ce que vous nous avez présenté, ça va répondre pour 20 ou les 20 prochaines années. Mais finalement, si on se place d'ici 40 ou 50 ans, quel pourrait être ce deuxième niveau d'action en fait, par rapport du fait de la très forte diminution de la population et peut-être de l'abandon finalement de certains secteurs. 実は日本はそんなに良識ある対応とかちゃんとできているわけではなくて、4年前に地方消滅という衝撃的な、エビデンスがついた、新しい政策提言が発表されました。すでに日本では、最後に4つ目に紹介した事例のようなところは本当に地方消滅ということで、もうすでに、人が激減している場所です。で、そういう場所で最後まで、住めるようにしようという本当にささやかな事例を、紹介したのにすぎません。そうすると今立地適正化計画、これから今都市部でそういうことができるかどうかっていうことが私たちにとって未来を明るいものにするか暗いものにするのかっていうことなんですけれども、日本の人口の減少というのはとても激しいので自治体間で人口の争奪戦が始まっています。ですから多分今日ご紹介した立地適正化計画、コンパクトシティプラスネットワークに成功したところは生き残ることができますけれども、それをうまくできなかったところは残念ながら40年後にはもう消滅するのに近い状態になる可能性が高いと思います。でそれを国全体でどうマネジメントするのかということについては、日本の取り組みはそれほど進んでいるわけではなくて、もうある意味今呆然としているっていう状態ではないでしょうか。Merci, merci beaucoup Madame Sonoda de votre réaction. Vos deux réactions d'ailleurs constituent une transition tout à fait pertinente vers la première question que nous voudrions vous poser. Il y en aura trois avant de passer la parole à la salle. Elles concernent alors précisément la gouvernance du vieillissement des territoires urbains en ciblant. On voit qu'il y a des territoires au Japon comme en France qui sont identifiés plus favorable au vieillissement, et il est préférable d'inciter les personnes âgées à y déménager de façon préventive. Toutefois,
qui va prendre en charge le déménagement des ménages pauvres qui ne peuvent emménager dans un territoire dynamique où le marché immobilier est plus tendu? Ne risquent-ils pas d'être logés contre leur gré dans des logements de mauvaise qualité et de vieillir finalement plus mal? Donc voilà, je vous laisse. Pierre-Marie. Voilà. Moi, je commence. Alors, c'est. Alors, il y a la question du coût du déménagement, mais j'aimerais vous orienter sur. Sur un sujet qui, à mon avis, sera intéressant par rapport à ce qu'on vient d'évoquer. Aujourd'hui, quand vous êtes propriétaire de votre logement, même si vous avez conscience qu'il faut déménager, si vous n'arrivez pas à vendre votre logement parce que vous n'avez pas tout simplement d'acquéreur, c'est la question de la loi de l'offre et de la demande, s'il n'y a pas de demande pour ces logements, vous êtes condamné à rester dans ce logement puisque vous ne pouvez pas le vendre. Et on voit aujourd'hui dans certains secteurs en France, dans certains territoires, vous traversez certains villages, vous avez sur chaque maison pratiquement un panneau à vendre. Et avec des services qui disparaissent, on parlait des pharmacies tout à l'heure, donc plus de médecins, plus de pharmacies, etc. etc. Et donc derrière, des personnes qui sont condamnées à rester sur place. Et ça, pour moi, c'est un élément qui est très important. Après, effectivement, si on arrive à faire évoluer les mentalités en France, les logiques d'inciter à déménager devraient s'accompagner aussi de la part, par exemple, des caisses de retraite, d'une aide au déménagement, au coût du déménagement, mais aussi un accompagnement humain. Parce qu'un déménagement, c'est quand même aussi un traumatisme. Comment préparer, comment anticiper? Le problème, c'est qu'on a encore une approche très sectorielle, très cloisonnée, et les différents acteurs ont du mal à avoir une politique forte et cohérente pour cet accompagnement. Donc, en sachant qu'on a également des logements sociaux qui sont adaptés, où là, on a ces acteurs du logement social qui mettent en place des politiques spécifiques. Donc pour des personnes qui ont vraiment peu de revenus, on peut quand même arriver à trouver des solutions.日本でもこの20年間ずっと特にベビーブーマー世代に対して早めのリフォームということをアナウンスしてきました。しかし彼らは全くそのことを実行しませんでした。要するに引っ越しをできる人は本当にやっぱり富裕層に限られるということは事実だと思います。それで日本の高齢者の 83% は自分の家に住んでいます。ですから今シャポンさんがおっしゃったようにその家を 売るかかすかしない限り別のところに行くことができません。ですけれども日本は先ほど申し上げたようにもうすでに人口減が始まっていて、多分あと3、4年後には世帯数も減り始めます。この東京でも2025年には人口が減り始めると言われています。2035年には 住宅が減り始めるというふうに言われています。ですから、日本の高齢者は大変厳しい状況に置かれていて、自らの居住用不動産の価値が年々下がっていくという、そういうリスクにさらされているんです。ではどうするのかということで、日本が今考えていることは、先ほどもご紹介した地域包括ケアシステムという形で、 なるべくその地域にとどまって、その中で小さく住み替えることがあっても、エイジングインプレイスとかケアインコミュニティということで、それまでの居住権を変えないで、最後まで暮らせるようにしようということです。しかしそれを実現するにはまた財源が必要です。それで日本国は今何をアナウンスしているかというと、日本語で互助、お互いに助け合うという、そういうことがとても重要だと言っています。
それはいわばこの問題を経済的に貨幣経済で解決するのではなくて非貨幣経済で解決しようという非常に未来的かもしれませんけれどもお互いがギブアンドテイクを非経済的に助け合おうでそのために老人クラブを活用しましょうボランティア組織を活発にしましょうそれから非営利の NPO みたいな団体にもっといろんなことをやってもらいましょうというふうに今、そういうところを一生懸命やろうとしていますMerci beaucoup. On va vous poser une seconde question. Alors, la seconde question concerne l'influence du vieillissement sur l'approfondissement des inégalités sociales et spatiales en France et au Japon dans le temps long. En effet, les ménages âgés aisés détiennent en général un patrimoine qu'ils transmettent à leurs enfants, ce qui contribue à faciliter leur prise en charge par la famille, par les descendants. A l'inverse, les ménages précaires ont moins de moyens financiers pour vieillir en bonne santé et il va coûter plus cher à leurs enfants de les soigner. Comment éviter que les politiques de soutien à des territoires favorables au vieillissement ne participent à ces inégalités de prise en charge des soins. そうですね、とても難しい質問なんですけれども特に資産を持っている人の子どもたちとか孫はその資産を継承できてそういう資産を持ってない人たちはその子どもも孫も資産を持てないで格差が開いているということは確かに日本でも大きな問題になっていますでその時に日本ではまた多分フランスとはちょっと違った問題が起きているような気がいたします日本では特に相続の問題については近分相続です親が亡くなった時に兄弟はその人数で割ってそれぞれが等しい財産を相続するということになっていますところが20世紀後半に高度経済成長期を経験した今の日本の高齢者は自分の資産はほとんど居住用不動産です。で日本は、土地しか価値がないというそういう市場がマーケットになっています。建物には古い建物の価値はゼロです。ですから何が起きるかというと、まず日本では90歳の親が亡くなった時に相続をする子どもは70歳とか60歳ですから親が残した居住用不動産古い家が建ったところに子どもが住む必然性はありませんそれでじゃあその残した親の財産を分けようとすると金融資産だときれいに分かれるんですけれども居住用不動産は土地をまず売れないとお金に換えることはできませんですのでそれがすぐできればいいのですが一方で人口減が始まっているので不便なところにある土地を買いたいという人は誰もいませんですから兄弟間でその資産の処分をめぐってすごいトラブルが起きやすいということがありますそれから3つ目にもうそういう不動産はいらない親の残した例えば古い家がついた建物とかそれから土地とか山とかそれはいらないということで今日本では所有者が不明な土地がすごく増えているという問題がありますですから単純に資産がある人と資産がない人の
格差が開くという問題だけではなくて、日本では人口が減っているというもう一つの別のファクターが非常に大きく効いているので、この遺産の配分とか相続という問題も多分フランスとは違った、状況が起きているのではないでしょうか。Oui, alors il y a des différences effectivement au niveau des successions et par rapport aux enjeux. L'idée au niveau de la France, justement par rapport à ces inégalités, on a l'allocation personnalisée pour l'autonomie, ce qu'on appelle l'APA en France, qui est délivré par les autorités, c'est le conseil départemental, par les autorités publiques, pour les personnes qui sont les plus dépendantes. C'est-à-dire qu'on va mesurer en France, on a une sorte de grille, on va mesurer le niveau de dépendance, et en fonction des revenus, ça va permettre à une personne qui est en forte perte d'autonomie d'avoir une prise en charge qui est assurée par les autorités. Donc ça règle une partie du problème, sauf le financement lui-même de cette allocation, qui aujourd'hui, comme je vous disais tout à l'heure, est en difficulté. Ça ne règle pas la question de l'hébergement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous rentrez dans un établissement médicalisé, le reste, ce qu'on appelle le reste à charge, c'est-à-dire ce qui reste encore à payer, est extrêmement élevé, et il se pose donc la question... par rapport à qui paye et comment payer. Et donc, il y a des réflexions qui sont engagées pour des personnes, par exemple, alors on a évoqué la question de succession, mais pour des personnes qui n'auraient pas d'enfants, par exemple, et bien pour que ce soit l'État, mais que ce soit les autorités qui prennent sous forme, je ne sais pas si le terme pourrait le traduire, viager, c'est-à-dire la personne va garder l'usage de ce logement jusqu'à son décès, mais par contre la propriété va devenir propriété des autorités. Donc c'est des choses qui sont en réflexion. Et puis, donc effectivement, par rapport aux successions, la difficulté qui se pose, c'est que finalement, si on utilise pour la personne vieillissante les successions, il ne restera plus de succession pour la future génération. D'où ce qu'on évoquait tout à l'heure, à un moment ou à un autre, il faudra passer par une assurance, je pense, une assurance obligatoire, qui permettra de financer de manière générale, que les personnes aient ou non le patrimoine, leur puissent financer en fait ces établissements ou en tout cas les soins qui vont intervenir à domicile. Merci beaucoup. Et donc je vais passer à une troisième et dernière question. C'est pas toujours très gentil les questions. Donc la troisième question concerne la mixité intergénérationnelle et la place des jeunes au sein des villes vieillissantes. Que préconisez-vous pour éviter que la construction de villes adaptées aux seniors ne soit ressentie comme une forme de gérontocratie pour des générations déjà affectées par la précarité? Qu'est-ce qui peut rendre le secteur professionnel du care vraiment attractif pour les jeunes, de sorte qu'ils pourraient emménager dans ces territoires vieillissants afin de se rapprocher de leur lieu d'emploi?日本はですね、今20代、30代の人と40代の人ではすごい雇用環境に違いがあります。今の20代の人たちはもう若年人口がすごく少なくなっているので、まあ、よほどのことがなければ今は、就職ができます。ところが20年前の、日本ではロストジェネレーション世代という、
すでに40歳半ばぐらいになった人たちは、社会に出るときに日本の経済状況が非常に悪化していたので、最初に日本では正規雇用といいますけれども、正式な雇用契約に基づく職業に就くことができませんでした。で、その人たちが以来20年経っているので、もうすでに40代半ばになっていて、専門的なスキルも身につけてないし、今人材不足なんですけれども、正規雇用の形にたどり着くことは、とても難しいです。でその人たちが、まあ、介護にというと非常にネガティブなところを全部その大変なジェネレーション、特定のジェネレーションにこう押し付けてしまうような状況にもなるので、日本では今それについて例えば、東南アジアから介護を専門とする人材を来てもらってそれに対応しようとしてますけれども、そんなに日本にとって都合のいいことができるわけもありません。一方でロボットをたくさん作れば介護の、分野でいろんな応用が効くのではないかということで、さまざまなそういう新しいテクノロジーを使った試みをやっていますけれども、でも絶対的に介護の人材は不足していくので、単に高齢者にとって、住みやすい街を作るとそこに若い人がやってきて、両方にとっていい環境になるとは言えないと思います。あともう一つ付け加えると、とは言いながら現在の高齢者の人たちはちゃんと子どもを、ベビーブーマー世代、日本の1950年生まれの人たちは、その人たちは、出生率が 2.14 だったので、ちゃんと人口が痴漢できるぐらいの、子供を産みました。ですから、今の40代が、今の70代以上の人が高齢化するときに、子供も高齢になってきますけれども、介護すれば、ひょっとすると、2030年の日本の一つ目の高齢化は、乗り切れるかもしれません。だけど悲劇的な事態は、これから40年後にやってきて、2050年代になると今の40代の人が本当の、後期高齢者になった時は、彼らは自分の子供たちを自分たちの世代の 65% ぐらいしか産んでないので、もう全く人材が足りないので、多分その介護保険とか医療保険とかそういう保険で支える仕組みも、それから税金で負担する仕組みも、それから本当に、高齢者を実際に介護するとか、そういう面での状況というのは、まあ、多分私は生きてないので分かりませんけれども、大変な状況になるのではないかと。Pour la France, alors ce sera pas une, c'est pas une pénurie de main d'œuvre, puisque c'est la génération actuelle des jeunes qui a le plus de difficultés à trouver un emploi, qui a le taux de chômage le plus élevé. Et paradoxalement, il y a beaucoup d'offres d'emploi dans les secteurs pour s'occuper des personnes âgées, mais beaucoup d'offres qui ne sont pas, enfin, sur lesquelles il n'y a pas de personnes qui se positionnent dessus. Et parce qu'on est sur des métiers qui sont mal payés, l'image de la personne âgée, comme on le disait tout à l'heure, est dévalorisée. Donc quelque part, beaucoup de jeunes ne veulent pas travailler dans cette voie. On a aussi un problème de mobilité des jeunes. On est quand même sur des générations qui ne sont pas assez, enfin, ils devraient être beaucoup plus mobiles, mais ils ne le sont pas. Ils veulent travailler, chercher un emploi. Alors pour le coup, c'est pas 500 mètres, mais c'est en tout cas autour de chez eux. Et c'est un vrai problème, puisque des emplois, il y en aurait dans d'autres lieux, mais on n'arrive pas à les,
à les motiver. C'est valable aussi pour les jeunes médecins. Les jeunes médecins en France s'installent où ils le souhaitent. On n'a jamais eu autant de médecins qu'actuellement, et pourtant on n'a jamais eu autant de déserts médicaux qu'aujourd'hui. Parce qu'ils veulent tous aller sur la Côte d'Azur, et donc on a des territoires qui sont beaucoup moins attractifs par rapport à ça. Et le mode de vie des jeunes générations est beaucoup plus sur la réduction du temps de travail. Ça peut paraître un peu une caricature, mais c'est une réalité. On a cette difficulté par rapport à ça. Donc, il y a des emplois, mais il faut changer cette image. Et donc, finalement, pour répondre et finir par rapport à ces questions, ne reproduisons pas les erreurs du passé. C'est-à-dire qu'il ne s'agit absolument pas de construire des quartiers qui seraient que pour des personnes vieillissantes, puisqu'on aurait les mêmes problèmes que ce qu'on évoque depuis tout à l'heure. Il faut qu'on ait un renouvellement des générations assurées dans ces différents quartiers. Donc c'est bien comment est-ce qu'on recrée la centralité et différents et quelque part des échanges entre ces générations. Et puis, s'appuyer peut-être sur ce qu'on appelle la génération pivot, c'est-à-dire la génération qui s'occupe actuellement de ses propres parents et qui s'occupe aussi, avec les difficultés qu'elle rencontre, de ses propres enfants. Et derrière, effectivement, il y a sans doute il y a des pistes qui sont expérimentées justement pour faire en sorte que cette génération-là puisse consolider ce qu'on appelle la fraternité. On a liberté, égalité, fraternité. On est bien sur cette logique de fraternité entre les différentes populations. Oui, une dernière réaction. Alors, シャンポーさんのお話全く賛成で、私はさっきちょっと悲劇的にお話ししすぎたかもしれません。日本でも 世代循環ができる街に作り変えようっていうことがゴールだということは私たちもそういうふうに認識しています。ですからごく普通の街がコンパクトになって0歳から100歳以上までの人たちが常に住み合える新陳代謝があるそういう世代循環のある街をゴールというふうに考えています。 それからもう一つ先ほど、お医者さんの話が出たんですけれども、先ほど私は、私は生きてないから知らないとすごく悲劇的に話してしまったのですが、日本人はそんなに私みたいな乱暴な人たちだけではなくて、すごく今真剣に取り組んでいるのは今日のシャポーさんのプレゼンテーションになったんですが、健康寿命をすごく伸ばそう、そのためには歩くのがすごく効果的だ。 だから歩いて楽しい街にしようということで、健康寿命をすごく長くするための試みというのが、これはスポーツだとか、それから健康面、ヘルスケアの分野からすごく今取り組みが始まっています。それともう一つは、多分そういう状態になると、2050年とか2060年の時代には多分 医療の概念とか、あるいは死というものですね、死というものに対する概念も、多分今の日本人が考えているものとは相当違ったものにならざるを得ないということで、そういうかなり根本的なところからもう一回考え直そうという動きも始まっています。 Je suis désolée, ce n'était pas des perspectives très réjouissantes toujours pendant ce débat. Ça tranche avec la Coupe du Monde. Mais je remercie en tout cas les deux intervenants de nous avoir donné des clés pour aussi mieux aborder, mieux préparer ces enjeux particulièrement cruciaux pour l'avenir de tous. Donc, je vais maintenant inviter à des échanges avec la salle en mentionnant
aussi que deux personnes de la mairie de Tokyo nous ont fait le plaisir de se joindre à nous ce soir. Et si elles ont des remarques sur ce que nous venons de discuter, nous serons bien sûr ravis de les entendre.本当に貴重なご講演どうもありがとうございました。松野田先生のちょっと最後悲劇的で終わってしまったら私はどうしたらいいんだろうと思いながら聞かせていただきましたけれども、最後にシャボンさんのおっしゃってた赤の未来の方に行きまして、本当に良かったと思います。シャボンさんも予防についておっしゃっていて、松野田先生の予防のお話、最後されてたんですけれども、 私どもの東京都でも住まい全体を地域包括ケア支援全体今進めさせていただいているんですけれども、その中の一つの要素はやはり予防というところが、これから未来を高齢者の方にとっても行政にとっても地域にとってもいいのはやはり予防を進めていくことだというふうには考えておりまして、特に今すごく進めているのが、住民の方同士での、住民の方同士での、 介護予防っていうのを進めていくこと、なぜかというと、上から押し付けていくとなかなかこうやる気にならないので、なるべくそういう住民同士ので、助け合いながら、例えばあの人がちゃんとやってるから自分もやっぱり続けようだとか、やっぱり健康でいることが重要だっていうふうに考えることによって介護予防が進んでいくと、で結果として、その方たちが自分らしく生活ができ、 健康な状態が進み、医療も少し抑えられていくと。そういった世の中が作れていて、しかも人口減少社会って、松田先生おっしゃってましたけれども、結局若い方が減っていくなので、高齢者の方まだまだたくさんいらっしゃる中で、元気になっていただくことによって、別にバリバリ働かなくてもいいんですけど、ちょっと手伝いをしていけるとか、そういった世の中が作れていくのかなというふうに考えているんですけれども、 Pour vous donner des exemples concrets, en termes d'échanges entre générations, on peut retrouver, en fait, je vais reprendre les choses différemment. C'est-à-dire que vous avez, il n'y a pas tant de décalage que ça. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle l'agisme, c'est une réalité, c'est quelque chose qu'on va constater. Ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il y a aussi, à la part des personnes vieillissantes, une peur comme quelque chose, un rejet de ce que font les jeunes. Ils font du bruit, ils ont un mode de vie différent par rapport à nous, etc. Donc, quelque part, ces images, elles sont souvent fausses, mais c'est comment est-ce qu'on va regrouper et refaire cohabiter ces générations. Et ça, c'est quelque chose qui ne peut pas se décréter, ça doit se vivre au quotidien. Donc c'est typiquement du travail associatif. On a énormément d'associations en France, donc comment, par exemple, ça va être de l'aide aux devoirs, ça va être des accompagnements pour des différentes activités, ça va être tout un tas de choses qui vont pouvoir finalement renouer des générations qui en fait ont plein de choses à faire ensemble. Mais au-delà, on peut aller plus loin. On n'a plus de service militaire en France depuis plusieurs années.
Et aujourd'hui, on parle de mettre en place un service civique. Enfin, un service pas, pas je ne sais plus comment on va l'appeler. Comment ? Universel. Universel, voilà. Et qui peut être à la fois soit militaire, soit dans le cadre d'association, etc. Eh bien, on pourrait imaginer dans ce sens qu'il puisse y avoir, qu'on puisse, que l'accompagnement de personnes vieillissantes puisse être un des piliers dans cette réflexion. Ça peut être un sujet. De même, on peut aussi, c'était un petit peu une volonté dans la loi d'adaptation à la société au vieillissement, c'est de valoriser ce que font les seniors, de valoriser les actions, ce qu'on appelle l'aidant, c'est-à-dire la personne qui aide ses propres parents ou d'autres personnes âgées. Donc ce rôle-là, il est très très important. Donc c'est tous ces éléments qui finalement permettent de changer, de fédérer les choses. Mais il n'y a pas, là aussi j'ai peut-être été un petit peu extrême dans ma présentation, il n'y a pas une opposition nette entre les générations. Mais il y a parfois des difficultés et c'est vraiment important en termes de cause. Bonjour, vous parliez tout à l'heure du système de l'APA, donc de l'aide au maintien à domicile. J'ai vu qu'en France, il y a vraiment un maillage absolument extraordinaire, surtout pour les personnes à très très faible revenu, pour aider les aidants justement et garder les gens le plus longtemps possible à domicile. Et j'étais intéressée par savoir si au Japon, existait le même maillage, les mêmes aides, ou est-ce qu'il y a des comparaisons qui ont été faites sur les aides financières, mais aussi les aides à l'aménagement du logement, à toutes ces choses qui, j'ai vu en France récemment avec Memoris aussi dans la ville de Paris, des aides au conseil pour les aidants à comment trouver ces aides, qui sont quand même assez personnellement formidables, j'ai trouvé. Je me demandais si le système existait également au Japon, puisque d'après ce que nous disait le professeur Sanjan, nous allons trouver au Japon le même style de population âgée, avec peu d'enfants, peu de descendants et très peu de fortune. Juste, il y a entre 8 et 11 millions d'aidants qui sont non professionnels en France, des familles, etc. Donc c'est un chiffre très important.日本でその本当に低所得の人を支えるぐらいのきめ細かなネットワークができているかというと全然まだできていません。で、日本では今日ご紹介しなかったんですが、昨年の10月に住宅セーフティーネットというかなり大きな法律の改正が行われました。 で、そこで何をしようとしているかというと、日本に今すごく増えている空き家とか、空き家アパートを使って住まいを確保して、で、そこの部分に福祉的な経験のある人を、日本では居住支援法人っていう名前で呼ぶことにしようと、その法律で決めたのですが、で、そういう福祉的な活動のノウハウもある人たちと、 空き家を持っている家主とか不動産事業者が各地域でこう一緒に話し合いをする場所を作っていこうというのがその法律の中心になっています。ですから、すでにそういうきめ細かなネットワークがあるのではなくて、今そういうネットワークを作らなくてはいけないということにすごく気がついたので、法律も変えたり、それから各地域で いろいろそういうネットワークも作っていこうという試みが始まっています。で、そのネットワークの時に、もはや高齢者だけに限定するのではなくて、地域には例えばシングルマザーの子育てをしている人とか、それから精神的な障害を持っている人とか、身体の障害を持っている人たちもいるので、それから例えば、 外国から来て、日本であまり職に就くことができなくて非常に困っているという人たちもいるので、
そういう人たちを含めて今ご質問があったきめ細かなネットワークを作って支えていこう。日本もようやく昨年の10月からそれに本格的に取り組み始めたばかりなので、まだここで絶対できますとはそこまでは申し上げられません。Bonjour et merci pour vos interventions respectives. Bah, mon interrogation, elle va porter un petit peu plus sur une question qui pour moi est restée en suspens, notamment dans les choix d'aménagement du territoire, mais également en termes de lien social. Vous n'évoquez ni l'un ni l'autre, en fait, la place des équipements culturels ou la place même de la culture, mais au sens de contenu permettant de permettre à des personnes âgées d'être stimulées intellectuellement, d'être également stimulées dans leur relation à l'autre, et également comme moteur, comme on le voit sans doute aussi beaucoup en France en tout cas, de mixité générationnelle. C'est très, très intéressant, je me permets de répondre, puisque effectivement dans le programme Ville Amis des Aînés, on parle de l'accès à la culture et aux activités sportives. Et là, je vais en parler en termes d'accès, en termes de mobilité, en premier lieu. Le problème, c'est qu'on a un certain nombre de personnes qui souhaiteraient pouvoir aller, et surtout, d'ailleurs, ne pas se retrouver uniquement avec la même génération, mais pouvoir être dans une mixité générationnelle. Mais les offres proposées sont souvent trop tard le soir, puisque organisées pour des personnes qui sont actives, et donc, de ce fait, se privent de la culture et se privent de relations avec différentes générations. Donc on voit bien que si on veut une société inclusive par rapport au vieillissement de la population, il est très important de repenser la question des transports, et notamment on a des réflexions actuellement avec des grands groupes comme Keolis par exemple, qui exploitent des transports en commun, quelles doivent être les amplitudes horaires, quels doivent être aussi des éléments pour sécuriser les personnes. Là, par exemple, il va être expérimenté la possibilité à certaines heures, sur certaines lignes, que le bus s'arrête entre les arrêts pour sécuriser les gens, donc qu'ils utilisent les transports. Donc ça, c'est nouveau. On va avoir aussi, on a des réflexions qui sont menées pour qu'on ait une offre combinée, par exemple transport en commun et ensuite du véhicule type Uber ou des taxis pour accompagner une personne, mais tout en étant sur un prix qui soit moins important. Donc tout ça contribuera justement à cet accès qui est fondamental à la culture et à des activités sportives partagées entre différentes générations.日本ではまだ構想なんですけれども、道の駅というのが日本にあるのをご存知でしょうか。電車の駅があるのと同じように道路に駅が作ったんですが、今度は健康の駅を作ろうっていう、そういう構想があって、自分のアクセスしやすいところに行くと、先ほど東京都の方がおっしゃったようなエクササイズができるとか、それからいろんな人と出会うことがとてもその人にとって刺激になるし元気になるとか、それから多分そこでは、本当にカフェみたいなところがあって、食事も、それほど高くないものができるということで、これも新しい構想なんですが、日本の中でそういう健康の駅を作っていこうというような、今構想があって、でそれが、超高齢社会のもう一つの重要なインフラになるかもしれないと私も思います。Il me semble que c'est à Toyamashi que les gens ont des tarifs réduits pour des équipements de loisirs s'ils acceptent de revenir vers le centre. Mais Toyama bénéficie d'une large aide pour justement Compact City.
Cécile Assanon, avec CNRS. C'est une question pour Sandra Sensei, que je salue parce que j'ai été depuis de très nombreuses années. Il me semble que c'est peut-être un petit peu compliqué de parler en même temps. Alors, c'est très enrichissant, mais je vous remercie de cette conférence. On a pas mal de choses, mais en même temps, c'est difficile de parler en même temps des deux situations qui sont tellement différentes. Il est évident qu'ici, le vieillissement de la population est beaucoup, beaucoup plus avancé qu'en France, et que donc quand on parle des difficultés concernant le mixte générationnel, etc., c'est d'un tout autre ordre. Et notamment la question des villages, du vieillissement des villages ici, on l'a aussi en France, mais encore une fois, ce n'est pas exactement à la même échelle, où on a des régions entières où il n'y a plus que des personnes âgées. Et donc ma question, c'était de savoir si dans ces villages, peut-être c'était donc le dernier cas que vous présentiez sur le SNCL, ou si en plus de ces maisons donc qui avec une multiplicité d'activités que vous avez présentées destinées aux personnes âgées, il y avait des mouvements de Mula Okoshi, Machi Okoshi, Dojini, donc de réveil, je ne sais pas comment dire en français, Mula Okoshi, d'ailleurs ça n'existe pas, d'éveil des villages, quoi, de faire en sorte d'appeler de nouveaux habitants dans ces zones qui sont complètement dépeuplées. De revitalisation. Oui, c'est ça. おっしゃる通りです。で、若い子どものいる家族に来てほしいと、日本中のああいう、私が最後に紹介したようなところが思っています。だけれども、もう日本の中で、子どものいる家族というのはすごく少なくなっているので、そういう意味で先ほども申し上げたんですが、争奪戦、奪い合いが始まっています。ですから日本の今の状況をすごく冷静に考えると、全ての村々が、子育てをする若い人材をたくさん来てもらって、町おこし村おこしができるわけではなくて、多分それができたところは先ほどの世代循環に向かって次の新しい未来になるんだけれども、多分そのプロセスで、たくさんの村はそれができないっていうところも出てくるだろうというのが、一番冷静な見方だと思います。それと同時に、もう今週も日本ではすごい自然災害がたくさん起きていて、で多くの家が壊れたり、あるいは、避難に移っていくわけですが、そうすると実は高齢な人というのは自分の家をまた再び直そうとか再建しようっていう、なかなか気力もないし、実際やろうと思ってもみんなすごく大きな家に1人とか2人で住んでいて、それで自然災害に遭うわけなんですね。で最近の日本は繰り返し繰り返しそういう地震だ、洪水だ、いろんな災害がこう繰り返し起きてくるので、そうすると再建できない高齢者の人たちがたくさんこう出てくるので、そうなった時には大変厳しい状況が来るのではないかと思います。すごく冷静に考えると日本の今置かれている状況で、最後に私がご紹介したような地方の本当に僻地というようなところはものすごく厳しい状況で置かれていると思います。Et puis faire comme ça. Donc j'ai demandé des questions un petit peu plus courtes parce qu'il me reste. ちょっと数字は定かではないんですが、今の福祉システムを日本が維持するため
2050年に1000万人の移民が必要と、まあ、言われています。となるとむしろ未来の高齢者のための未来都市というのはむしろ全然違う文化、全然違う歴史を持った人たちと一緒に過ごさなきゃいけない、むしろそっちの方がリアリティがある話で、となると、シャボンさんに伺いたいのは、まあ、まさに身を先に入れてる、いろいろ苦労されてる国としてどんなふうに思ってらっしゃるのかと、あとはサンズ先生にそういうような環境になった時に単なる建物とか失礼なんですけども、そういうことよりもむしろそういったインフラの方が大事だ。それからごめんなさい、もう一個だけ、いわゆる空き家を運用するという話に関しては、これ所有権の問題があるから、一切手が触れない。ですから、関東大震災の時に全部瓦礫は横浜公園にうまく沈めたけど、今、被災地が全然片付かないのは所有権の問題。要するに公共という考え方が日本人のあまり、浸透してないから、これによって非常にそのこういう例えば町を作るとか建物を作るというときになかなか進まないんじゃないかという疑念があります。その辺についてすみません、2つ。La question de l'immigration est fondamentale. La France a connu différentes vagues d'immigration, notamment quand on avait ce qu'on appelle les 30 glorieuses, où on a eu toutes ces, dans les années 60 et 70, toute la France à reconstruire, on a eu besoin d'immigrer. Aujourd'hui, l'Europe est confrontée à des vagues de populistes. C'est-à-dire que et c'est très très inquiétant, puisque on rejette la faute sur l'immigré, et donc on est dans une volonté de quelque part de fermer les frontières. Et c'est quelque chose, c'est un phénomène qu'on va retrouver en Italie, qu'on va retrouver en Autriche et aujourd'hui un petit peu en Allemagne aussi. Et en fait, quand on regarde les statistiques, par exemple en Allemagne, la criminalité n'a jamais été aussi basse depuis 1990 qu'aujourd'hui. Or, quand vous écoutez différents politiques ou différents médias, on vous dit que c'est terrible depuis que l'Allemagne a ouvert, parce que justement, ils étaient dans cette logique d'ouvrir, parce qu'ils sont, on pourrait parler un autre jour de la problématique de l'Allemagne, mais il faut absolument accueillir des immigrés par rapport au vieillissement de la population. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, la population est tellement persuadée que l'immigré est mauvais, qu'on en est dans ce phénomène-là. Donc il faut, à mon sens, il faut partir du principe que l'immigration crée de la richesse économique, que l'immigration peut être positive, et qu'il ne faut pas avoir peur de l'immigration, mais par contre, ce qu'il faut, c'est mettre des règles, et ce qui compte, le terme de fraternité en France est très important, et de placer le positionnement de notre pays et de ce qui nous rassemble, la République, comme étant au-dessus, et que les personnes s'engagent à respecter cet élément-là comme étant l'élément qui nous unit. Et à ce moment-là, l'immigration peut être tout à fait positive. いい質問ありがとうございます。私2つあったと思うんですが、確かに建物と都市では変えることはできないんですが、建物と都市というのは人が活躍するまさに環境なので、そこがどういうふうになっているかということによって人の振る舞い方もすごく変わってくる形があると思います。しかしながら都市と建築っていうのは重厚長大なので、日本の高齢化のスピードとか、仮に移民を受け入れるにしてもそれに対して柔軟にすぐ変えることができないので、それはとても大きな課題だと思います。もう一つ移民の問題について言うと、最近日本の政府が、骨太の方針で50万人の、移民を受け入れるということを言ったのですが、その時に家族を連れてこない人という、そういう条件が提案していて、非常にそれは現実的ではない。本当に移民の人に来ていただいて、おっしゃるように1000万人の移民を受け入れるのであれば、
彼らがやってきた時に、すぐ子供が生まれ、その子供の本当に小さい時から、保育園から小学校からというそういうロジスティックスがちゃんと用意されない限り移民を受け入れることができないと思うんですけれども、日本ではその議論が全くされないのが私はとても問題ではないかと思います。それが一つ目の質問への答えです。二つ目の問題も大変大きな問題で、所有権、公共の在り方ということ自体について、そこから私たちは考え直さない限り、この超高齢化とそれから激しい人口減に対しての答えはおっしゃるとおり見つからないと思います。ですから本当に今日本人は頭を柔らかくしてですね、規制の概念を全て一回取り払って、私たちは新しい未来を、今日のテーマの新しい未来としてどう作るのか、かなり根源的なところから考える必要があると思っています。いい質問ありがとうございました。Bonsoir, Léon Arcial de l'Université nationale de Yokohama. Ma question concerne le transport qui aujourd'hui est l'une des principales sources de discrimination pour les personnes âgées, qu'il s'agisse des voitures qui ne peuvent pas conduire après 65-70 ans la plupart du temps, ou également des trains et des métros auxquels ils ne peuvent pas accéder s'ils n'ont pas d'ascenseur ou d'escalier roulant. J'aimerais savoir dans quelle mesure est-ce qu'on peut agir là-dessus. Certains urbanistes japonais ambitionnent de, à cause du déclin démographique, de détruire tout ce qui pourrait se trouver à plus de 500 ou 800 mètres des stations de train ou de tramway, et de détruire tout ce qui est autour. Est-ce qu'une ville uniquement basée sur les transports en commun, avec beaucoup moins de voitures, serait quelque chose de souhaitable pour les personnes âgées?確かに人口が減って高齢者が増えてくる中で、交通システムをどうするのかというのが大変大きな問題です。それと同時に日本はやっぱり財源が大変今難しいので、公共交通のインフラをどんどんこうコストカットという形でシュリンキングしていこうという動きも最近は非常に出てきています。ですから今の難しい質問に答えを持っているわけではないんですけれども、やはりある程度公共交通を再編することと、都市をこうコンパクトにしていくというところをなるべく時間をかけずに、お金もかからずにどうしたらできるか、ぜひその答えを横浜国大で今研究されているのであれば逆に教えていただきたいと思います。Ça va être différent. Je suis persuadé qu'on va avoir une révolution avec les véhicules autonomes. Aujourd'hui, différents véhicules autonomes sont testés, que ce soit aux États-Unis ou en France. En France, on teste par exemple actuellement des bus de 16 personnes complètement autonomes. Je suis persuadé que dans 10-15 ans, ça va révolutionner notre manière de nous déplacer, y compris si nous sommes dans des territoires moins favorables ou défavorables. Ce qui coûte cher, c'est le chauffeur. Si on a des véhicules en permanence qui circulent et qui peuvent vous amener à un point précis, je pense que ça changera les choses et ce sera tout à fait complémentaire du transport collectif. Une dernière question. Monsieur aussi, j'ai vu depuis tout à l'heure. Excusez-moi. Merci beaucoup pour cette présentation. Je suis au Japon depuis 40 ans et je suis traitée comme tous les Japonais. Ça veut dire que depuis que j'ai 65 ans, je paye pour les soins que j'aurais besoin de recevoir plus tard. Et c'est assez important. Alors je me demande si en France, on peut financer également les soins à la personne quand les personnes sont plus jeunes. Donc, ce sont alors.
peut-être commence à répéter pour répondre à des questions. Vous voulez dire dans une logique de prévention, en fait, c'est-à-dire que plus on prend tôt, plus on l'accompagne mieux. Et en plus de ces personnes, enfin, de ces éléments préventifs, on a aussi des convocations, des invitations à de la médecine préventive régulière, régulièrement offerte par l'institut. Alors, les caisses de retraite essayent de lancer des programmes de prévention en France par rapport à ce qu'on évoquait tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on est malheureusement encore on a beaucoup de retard encore sur la prévention, donc il y a des actions à mener par rapport à ça. Mais par rapport à votre question, vous pouvez préciser. Disons, on paye en plus de l'assurance sociale, qu'on paye la retraite. On paye en plus cette. Ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'assurance dépendance, en fait. Ou après, on l'appelle comme on veut, mais oui. Ben, on a des revenus et c'est de toute façon. Pour répondre de manière très claire, très rapide, le sujet n'est pas traité correctement et de manière pérenne, donc il va falloir qu'on trouve une solution. Soit d'un côté l'État, ce qu'on appellerait la cinquième branche de sécurité sociale, on en parle depuis des années, mais ça ne se fait pas, soit un mix entre public et privé par rapport à cette dépendance, avec une assurance obligatoire peut-être des 40 ans. C'est un petit peu ce qui est évoqué en ce moment au niveau ministériel. Je voulais faire aussi une réflexion quand je suis allée en France récemment. Sur la clinique mentale, où le docteur, c'est du 18e siècle, donc aussi des maisons toutes cossues, à 4 étages, 5 étages, et tout est à vendre. Tout ce qui est en hauteur est à vendre. Et c'est des belles constructions, il n'y a pas d'ascenseur. Et je pense que partout en France, c'est le problème. Il y a les questions du coût de l'ascenseur et dans certains cas, on ne peut pas adapter. Donc c'est pour vous. Donc c'est pour acheter. Tout à fait. Parce que ce sont des grands appartements qui font plus de 100 mètres carrés. Tout à fait. On pourrait parler de la typologie des logements, etc. Bien sûr. Bien sûr, mais c'est où il y avait tous les commerces. Et tous les commerces, maintenant, sont éclatés en périphérie. Ouais. Donc c'est. C'est comme ça, les villes en France sont. Du centre, le côté actif, commercial, même culturel, tout ça c'est mort, tout va faire la vie. Il y a la volonté de revitaliser et ça rejoint un petit peu ce qui. Mais on ne peut pas détruire toutes les. Non, mais. Protéger un petit peu plus grand. Bien sûr. Bien sûr. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons clore ce débat. Il y avait monsieur, ça fait tellement longtemps qu'il avait la main. Comme il a fait longtemps, je vous propose. C'est la dernière. Dernière. Alors il pose sa question et on y réagit. Très très vite. ご質問としてはですね、高齢者のイメージっていうのは、ね、ネガティブなものだっていう話をずっとしてきたと思うんですけれども、彼らが我々がイメージするほどそんなに弱者なのかっていうようなところから質問があります。なんでこの質問をするに至ったかといえば、私はフランスのラジオ番組で、レキエスジョーテルっていう、フランスキュリチュリオっていうラジオの番組を好きで聞くんですけれども、そこでガルテマヨヌ県にある、幼稚園と、何て言うんでしたっけ、メゾントルトレットは何でしたっけ、老人ホームですか、ごめんなさい、の一緒になった施設を紹介したんですね。その中では、おじいちゃん、おばあちゃんたちが子供の世話をする。それによって彼らはより生き生きと生活することができる。なので、我々が介護が必要なお客様として、弱者として彼らはどう対応するかではなく、彼らがいかに社会に参加できるかっていうシステムは考えられないのか、それに対して何か具体的な、ことが、授業などか、事例として、もしあるんでしたら、お答えいただきたいなと思います。Même si, bien sûr, elles le sont. En termes de consommation, c'est les premiers. En France, c'est les premiers en termes de loisirs, en termes de voyages. C'est toute la logique aussi. Donc, du patrimoine, tel qu'on l'a évoqué tout à l'heure, donc elles sont en réalité très actives. Ce qu'il faut voir, c'est que on a les personnes
fortement dépendantes sont minoritaires, avec l'immense majorité, sont actives, souhaitent être actives, mais justement, garder ce lien. Donc d'où l'idée de changer l'image. Quand moi je vois avec mes étudiants, en début d'année, je leur demande toujours qu'est-ce qu'une personne âgée pour vous. Dans les trois quarts des cas, ils disent une personne dépendante, et ça renvoie à la maladie, etc. etc. Ce qu'il faut, c'est si on change l'image, tout va beaucoup mieux. Et parce qu'effectivement, c'est pas grave, de toute façon, de vieillir, c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver. Donc voyons les choses de manière positive. Et donc, juste pour conclure, soyons positifs, soyons prospectifs. Et avançons, arrêtons de faire l'autruche, avançons, de toute façon c'est comme ça, et c'est pour le bien, pour notre bien à tous. Voilà.今の質問で言うと、実は高齢者っていう言い方がとても実は問題かもしれないです。国連の指標では65歳以上高齢者というふうにずっと言ってきたんですが、日本人の女性の平均寿命は限りなく90歳です。ということは、90歳の人と65歳だと親子の関係なんですね。ですから、高齢者という多分捉え方をこれから変えていかなくて、 今ほどショポンさんがおっしゃったようにすごくアクティブでまだまだどんどんクリエイトしたい人たちもいるし、日本では生きがいやりがいっていうことで高齢期のリタイアした後の生活を一番ポジティブにするのはその自分が何かをこう責任を持ってやるっていうことですよね。だけれども誰しも最後の時に、まあ突然ぽっくり亡くなることができればいいですけれども、 そうでない場合には、最近お医者さんたちはどういうわけか、日本語じゃなくてフレイルっていう英語を使うんですけれども、その局面があるので、そのフレイルの時期を、いかに自分らしく最後まで尊厳と誇りを持って、過ごすことができるのか、多分日本の今これからやらなきゃいけないところはそこではないかと思います。 Merci à vous tous pour votre présence, pour votre réactivité. Je suis désolée pour les personnes qui n'ont pas été là.